Est-ce que tu vas si vite, Nina? Comment se passent les répétitions pour le prochain Open? Pire que tout. Je crois pas qu'on se présentera. Ça ne m'intéresse pas d'être sur scène avec Luna et Simon. Je pensais que tu t'entendais bien avec Luna. C'est pas Luna le problème, c'est son cher ami Simon. Il m'insupporte. Pourquoi il te dérange autant, ce garçon? C'est pas qu'il me dérange. Je n'aime pas ce qu'il dit, son attitude. Ses propositions pour l'Open sont horribles. C'est clair que la seule chose que tu aimes en lui, c'est son ami Luna. Je te le dis sérieusement. Oui, bon, c'est vrai que ça me dérange qu'il soit le grand ami de Luna et qu'en plus, la seule chose qu'il cherche, c'est à sortir avec elle. Et c'est ce que tu veux, toi aussi? Avec Luna? Moi, j'ai aucune histoire avec elle. C'est pour ça que tu l'as embrassée à la compétition devant tout le monde, alors? Mais non, je l'ai embrassée pour gagner. Ouais, pour gagner son cœur. Et à moi, tu vas pas mentir, je te connais trop. Eh bien, c'est clair que tu me connais pas suffisamment. Je ne m'intéresse pas à Luna. D'ailleurs, ne parlons plus d'elle. Bon, comme tu veux, n'en parlons plus. Au lieu de te préoccuper de ma situation sentimentale, pourquoi on ne s'occuperait pas plutôt de la tienne? Ça va avec la fille de l'autre fois? Oui, je lui ai envoyé un message, elle n'a pas encore répondu. C'est sans doute qu'elle ne l'a pas encore vue. Ah, qu'est-ce qu'il y a? T'as perdu ton pouvoir de gagnant. Oh, voilà. Ce joueur ne perd jamais une partie. Je lui dis de venir avec son ami et on sort tous les quatre. Cette fois, je passe. Je vais aller répéter. Je croyais que ça t'intéressait pas. Ouais. Écoute, Jim, je pense qu'avec...